Ensuite, il a resté à ma sens. Il a 44 ans, un enfant. Non. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, apporte-moi, voilà. C'est vrai, pour nous regarder comme ça. Voilà. Elle habite à Fouché, elle est commerçante, secrétaire de l'association familiale catholique des grands fonds, secrétaire de la fédération des AFC, revenue après un séjour de l'Hexagone, mariée et trois enfants. J'ai appelé Marie-Michèle Pédurand. Oui, applaudissements, là, comment c'est diminué, parce que nous pas demander, parce qu'il y a une applaudissement qui vient à faire des rapports, alors pas demander. Il est inspecteur de l'éducation nationale, il habite à Dupré-Saint-Anne, a un contrat pour le son 100 000 d'enfance. En vraiment content, 100 000 d'enfance, dirigeant d'association, ex-dirigeant syndical, ex-instituteur, ex-professeur, j'ai nommé Bruno Bernard. Ensuite, c'est une femme, hein. Membre, c'est qui c'est Fouman, c'est là. Il y a, je ne comprends pas combien de choses, c'est bien ça. Fouman, il y a là, c'est bien ça. Voilà, c'est une dame. C'est vrai que c'est pas un prénom commun. Liala. Donc professeur des écoles et à deux enfants, résident à Paris de Gissac, vice-président de l'association la FAPEC, son association à parents d'élèves, au collège de Saint-Anne, secrétaire et responsable de la commission féminine à la Ligue régionale de triathlon de la Guadeloupe, Madame Mii, Mimonzella, Madame là, un grand mot d'applaudir bien fort. Ensuite, aux amis aussi, aux amis, nous comprenons l'eau dans des manifestations culturelles, nous avons l'occasion de nous dans des cours physiques aussi, mais il n'y a pas musicien, on va devoir l'écouter, parce qu'on va apprécier le travail qu'il a fait là. Il a resté à Kayabwa. Et son génome qui a fait un grand travail au niveau section. Il y a le genre territorial, il y a deux enfants, j'ai nommé monsieur. Patrice Jean-Louis. Donc, ensuite c'était Madame Tissalet, mais malheureusement, elle y parlait, elle s'est excusée. Elle est arrivée. Donc, Madame Tissalet. Regardez Alette. Où Alette? Arlette, voilà, Arlette. Voilà. Donc, on a une fille qui est en Alette, qui est toujours en Alette. Et nous, comme ça, là, on a Alette, pour pas coûter, ça, on va dire le péage. Voilà, pour bel petit jeu de mots, ça vient encore une fois. Nous, on va vous dire très très fort. Donc, elle est retraitée du CFA, divorcée de deux enfants. Et la vie à Saint-Anne, Bourgueil de Paris, c'est du côté de Moudette. Et profession, enfin, elle est bénévole d'association. Voilà, merci pour Madame Tite Arlette. Encore une fois, on applaudit bien fort. Donc, ensuite, il habite à Bois-Jolan. Profession chargée de mission, militant associatif. Dans un petit moment, il était à Sénassa, ils font un bel discours. Et un canomé à Sikodiona, avec le Sikodiona, mais c'est Franz Mondor.
Ensuite, encore une jeune, c'est une jeune, elle est très jeune, elle habite, elle réside à Châteaubourg. Elle s'appelle Mademoiselle Malachumi Maïka. Je vous rappelle pour ça parce que c'est une jeune fille. Je vous rappelle bien fort. Je vous rappelle bien fort. Voilà encore une dame. Elle a 43 ans, elle a 4 enfants. Elle a joué au football. Elle a joué au football, hein. En fait, c'est plutôt Timna qui a joué à la sélection de la Guadeloupe. Et ils ont mis l'occasion des vrais jouer avec les Guadaboy ou les Bakuyeyo, les Timon Guadeloupe. Et j'ai nommé Catherine Delavé-Coutelmont. Si vous l'avez dit, c'est un la vie de parler, il est une gars, c'est Timna, mis tout là. Le gars qui va payer tout. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Mitou, c'est Tombo qui était très très coopérant. Malheureusement, il n'est pas de ce monde. Et on a changé qu'il travaille en collaboration avec pratiquement toutes les associations de carnaval à cette année. Donc, pour continuer sa présentation, c'est vrai qu'on peut perdre moins, on voulait présenter tout ça, tout le temps moins. Donc, elle est formatrice en bureautique. Et elle est encore, elle est membre de la Juventus, elle a été présidente de la section football. Voilà, c'est mademoiselle Catherine Mitou, ou tellement, que nous applaudissons bien fort. Mais Mitou, par exemple, c'est moins qu'elle fait Mitou, il y a aussi Delaney, c'est madame Delaney. Madame Delaney, bon, j'ai un recul, non ? J'ai un recul. C'est vrai, c'est équipé, pendant qu'elle a parlé, ouvert pour travail, il dit, il y a peut-être assez marqué, peut-être. Hein. Il dit, j'ai raconté, coupez camarades, ça va messieurs. Parce que là, je lui fais le coup à la Ridonnée, à nos manifestations. Là, pendant, j'ai raconté, il est loin à la Guadeloupe, mais pour la branché, et j'ai raconté toute manifestation là, il a fait la Ridonnée. Il a trouvé ça exceptionnel, et ça fait moins plaisir qu'on ait communiqué. En tout cas, c'est madame Gérard Delaney, c'est madame Delaney, et son jeune fille aussi qui a pourtant le coup l'approbation dans la vie associative à cette. En tout cas, pour l'instant, tout le monde qui l'a dans la cité, c'est des gens qui ont des compétences et qui j'ai apporté pour cette année, qui parlent justement à apporter encore.